Et donc salut à tous les amis, ici Mister B alias BFCD. J'espère que vous êtes bien, personnellement moi ça va super. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mon téléphone. Et oui. Alors on va faire cette nouvelle vidéo sera une série. Donc une série sur un jeu que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle The Sword of Mine. Donc le voici. Donc j'ai de nombreux jeux comme vous pourrez le constater, je peux encore en télécharger et j'en téléchargerai d'autres. Donc dites-moi si parmi cette liste-là, il y a un jeu qui vous intéresserait plus particulièrement, plus que les autres, que je fasse une vidéo dessus. Alors tout d'abord, je compte faire une série sur The Sword of Mine, donc le survivant d'Android. Qui est une série que j'affectionne, enfin que j'aimerais faire plutôt. Et ensuite, ou en parallèle, faire une série sur Walking Dead No Man's Land, parce que je suis un très grand fan de Walking Dead. Je suis actuellement la saison 6. Donc voilà, donc on va lancer le jeu de suite. Hop. Donc 11 bits studio. Bon, c'est un jeu qui est payant, mais bon, vous pouvez l'avoir totalement légalement grâce à Twitch. Légalement, entre guillemets. Je vous expliquerai pas comment faire parce qu'on a déjà eu des problèmes avec une ancienne chaîne YouTube à ce sujet. On a déjà eu des problèmes donc à ce sujet. Donc ce serait dommage de réitérer. Donc tout d'abord je vais voir s'il n'y a pas moyen que je baisse un peu la musique. Donc on va tout mettre à 4. Ouais, 4 c'est pas mal. Effet crayon. On va mettre 12. Unité. Ouais. On va tout appliquer, on va faire une nouvelle tentative. Alors ça c'est une statistique de survie. Donc vous voyez c'est pas énorme, 30 jours au maximum. Enfin 29 jours. J'ai pas beaucoup joué à ce jeu là mais je l'aime beaucoup. Donc je me dis que faire une série là-dessus ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est mes personnages préférés, donc Bruno, Roman et Arian. Je choisis pas selon la tactique du jeu, mais selon mes préférences au niveau de chaque personnage. Pas forcément leur capacité, mais plutôt leur tête, tout simplement. Parce que j'aime bien la tête des gens, moi. Bon. Alors, pour l'instant, les romans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par essayer d'aller fouiller un petit peu. Hop. On va fouiller. C'est un très bon jeu. Qui coûte 5 euros, me semble-t-il. Mais bon, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez l'avoir totalement légalement grâce à un logiciel qui se nomme Aptoid. Donc si je vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois pas qu'il soit très très connu. Mais en tout cas, il fait très plaisir. Alors, non. D'abord, toi, madame, tu vas aller te faire... Tu vas te composer un petit lit, un pieu. Hop. C'est parti. On va se faire un petit lit, ensuite on essaie de se faire du chauffage pour l'hiver. Parce que donc il y a plusieurs saisons sur ce jeu là, donc pour l'instant c'est une découverte pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Moi j'y joue un petit peu, je trouve ça très sympa. C'est très bien fait. Alors, chauffe-eau. D'accord, ça coûte pas beaucoup de composants. Ça me demandait une expédition. Donc le but c'est de survivre un maximum de temps. Donc là il fait 22 degrés. Les survivants peuvent tomber malades, donc là on a les statistiques des survivants. Donc vous voyez pas ce que je montre, mais c'est à dire qu'il y a le taux de... Enfin s'ils ont faim, très faim, ou s'ils sont carrément à mourir de faim. Il y a s'ils sont malades, s'ils ont un rhume, un cancer en phase terminale ou quoi. S'ils sont fatigués. Ou s'ils ont besoin de... Tiens, c'est marrant, c'est quoi ça? C'est que ce petit seringue. Ah non, d'accord, oui, donc le petit pansement c'est a besoin a une blessure. La petite seringue c'est malade. En bas c'est la soif, la faim et le moral, me semble-t-il, si je dis conneries, croyez-moi. Yo dis une armoire, c'est bien les armoires. Alors ouais, toi tu vas bosser, Bruno au boulot. Oh les rimes, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, tiens c'est marrant, tu t'es juste pris le mur.
comme une Kiev. Hop, tout prendre. On va essayer de voir ce qu'on peut déjà trouver. D'ores et déjà, ce serait déjà pas mal si on pouvait trouver quelques trucs intéressants. Un couteau. Alors ça, c'est bien. Je vais l'emmener dans chacune de mes expéditions, ce couteau. Je voudrais pas dire, mais un bon vieux couteau, c'est toujours bien pratique. Alors par contre, le seul défaut, c'est que tous les trois fument. Donc il va me falloir une quantité énorme de cigarettes pour les maintenir en forme. Parce qu'il y en a qui fument plus ou moins. Voilà. Que je vais faire en... Waouh. Et presque saturé. Merci de cacher mon écran, les gars. Ça fait toujours plaisir. Merci. Bon, bah voilà. Comme ça, vous avez fait. C'est les aléas, c'est les aléas. On va pas s'en plaindre, écoutez. On a dit qu'on revenait mythique simplifié. Je crois que... Alors, faites voir juste quelque chose. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est à cause du tournage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une journée et une nuit. Et je pense qu'on va faire ça sur plusieurs jours, tout simplement. Alors ça, par contre, non, je vais pas le crocheter, parce que pour trouver des lieux plus simples... Alors si le tournage s'arrête, je le saurai. Et dans ces cas-là, je relancerai en ayant supprimé quelques trucs... banal. Hop. Parce que, en fait, je vous explique, finalement, j'ai pas beaucoup de place. J'espère juste que ça va le faire. J'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouf, ça c'est bien. Alors déjà on a de l'eau. C'est pas mal. Et aussi des aliments crus. Alors avec un bon chauffe-eau, les gars, il y a moyen de se faire un petit resto. Un petit resto pâte à l'eau, il y a moyen. Alors, toi, t'as fini au boulot. Pas de raison que tu sois au chômage, mon salaud. C'est la guéguerre. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits à fouiller qui sont atteignables? Non. Fuck the... Pardon. Excusez-moi, les gars. Je voulais pas vous énerver. Alors, fuck the world. Ah, attends. Ah non, c'est une échelle. Comment j'ai ça? Comment ça, je suis pas content? Alors... Vas-y, on va se trouver ça. Tranquillement, posément, dans le plus grand des calmes et des respons. Bon, il va bientôt faire une nuit. Donc toi, mon père Bruno, bah, tu vas continuer de bosser, mon salaud. Toi, tu vas dodo. Et toi... Toi, tu vas rien faire. Bon, il y aura des choses, tout ce que j'ai mis en noir, c'est pour éviter que vous voyez, parce que c'est légèrement ma vie privée. Bruno, tu vas dodo. Non, d'ailleurs, oui, non, tu vas dodo. Toi, tu vas dodo. Toi, tu vas te chasser. Hop, des aptitudes au combat, entraîner. Vas-y, va péter la gueule des. Alors, beaucoup d'oubliages, tu vois, quand c'est énorme de machine. Pour ça, on n'a pas très faim, mais ne vous inquiétez pas, ça tombe très vite. Quand votre abri tombe, il tombe. Fais pas les choses à moitié, c'est enfoiré. Ça, c'est pas dangereux. Beaucoup de nourriture. Bon, on va y aller plus tard. D'abord, on va aller là. Je vais juste prendre ça, et puis mon couteau. Partir collecter, c'est parti, ça va chier des bulles. On va voir pour essayer de se faire un chauffage, déjà, parce que ça serait déjà pratique. Un petit chauffage serait toujours bien, Patrick. Donc on se retrouve dans la bruelle. Toujours plaisir. Toute sûre façon d'aller là-bas. Ça tombe bien, moi aussi. On pourra tout prendre déjà parce que. Ah, oh cool, les cigarettes. Alors on va prendre ça. Non, ça c'est pas utile pour l'instant. Ça l'est. Du café. Non. Personne ne boit du café. Alors, il n'y a pas besoin de rien. Tout ce qu'on peut trouver, c'est un sans-abri. Oui, donc aussi, ça c'est quelque chose de très bien fait. C'est que les survivants ont des remords, des actes. Par exemple, je me rappelle, un jour, j'ai pillé un hôpital. Et donc, dans le dos des gens.
avant que le village se fasse bombarder lâchement. Et je me souviens que c'était pas Jojo, parce que le mec, après, il a fait une grosse dépression. Enfin, c'était une meuf. Ou alors un travelot. Je sais pas. Alors, si je trouve de la nourriture, évidemment. Bon, déjà, on va fuir et puis on va déjà s'arrêter là. Parce que on va faire des petits épisodes. Ah oui, de la nourriture, ça c'est important. On attache ça. De la bouffe. Ce sera déjà pas mal. Ouais. Parce que vous voyez, c'est un petit endroit. Puis, ah oui, je peux passer par là. Non, je veux pas que je grimpe. Allez, grimpouille. Bon, je peux même faire foutre. Merci, les gars. Ça me touche. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Je suis même pas sûr d'avoir vérifié. En tout cas, faudra revenir prochainement parce que il y a des choses intéressantes. On y reviendra dans un prochain épisode. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu. Si le contenu général de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé. Les prochaines vidéos seront un peu plus longues que celle-ci. C'est juste que là, après je dois me rendre sur un tournage avec des potes, avec Kojigza et un... Et une petite surprise, donc du coup voilà, faut que je fasse cette vidéo là, c'est assez limite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé et ciao.